Allez, bah c'est moi. Alors, un groupe prénom respectif. Putain, ça reviendra à la mode, je peux te dire. Et, quelle mémoire. Nicolas, c'était un anneau d'une seule pièce, sur lequel circulent quatre petites chaînettes dont tous les maillons sont soudés. D'accord ? Donc je t'invite à les regarder, les examiner. Tirer dessus pour vérifier la solidité, mais a fortiori, et à contrario. tu les examines bien, tu vas faire examiner à deux ou trois autres personnes pour vérifier que tout est bien soudé. Moi, je vais vérifier. Vas-y, voilà, fais vérifier. Tiens, vas-y, regarde. Pendant ce temps, Ibrahim, un cadenas, deux cadenas, une clé. Tu vérifies, s'il te plaît, que quand les cadenas sont ouverts, ils ne sont pas fermés. Quand ils sont fermés, ils le sont solidement et qu'ils sont ordinaires. Vérifie tout le fonctionnement de tout ça. Pendant que toi tu fais vérifier, fais ton boulot. Je suis confiant. Voilà, tirer dessus, vérifier que c'est solide, quoi. Qu'il y a pas de, y a rien qui s'ouvre, il n'y a rien qui est. Voilà. Et puis quand c'est vivre, tu ouvres s'il te plaît les deux cadenas. Et tu les gardes ouverts. Ça va, ça, t'as vu, rien d'anormal, hein, c'est tout en métal, tout en acier. Et tu les tiens ouverts et séparés. Et tu mets la clé dans ma poche ici, s'il te plaît. Voilà, super. Bien. Ah, c'était un jeu un peu spécial. Ah, Ibrahim, s'il te plaît, tu vas m'attacher maintenant, mais tu vas serrer. Tu mets un cadenas. Tu sers, hein. Tu vois bien ce que tu fais. Serre bien, hein, c'est. Ouais, fais-toi plaisir. Il y a un proverbe qui dit ne tenez pas votre chien attaché. Enfin, ne tenez pas votre chien en laisse si vous voulez qu'il vous reste très attaché. Serre aussi. Serre bien, que ce soit serré. Parce qu'après, vraiment, c'est pas rigolo aussi, il y a pas un peu de douleur. Voilà. Alors, Stéphane, tu veux tirer, s'il te plaît? Ah, toi, tu suis quand même. Hein. Alors, tire pour voir si ça glisse pas le long de mes bras. Tire fort, hein, n'aie pas peur. Ça résiste bien. C'est solide? Tout à l'heure, je me casse la gueule parfaite. Non, je crois que ça va. Tu peux reprendre tes esprits. Là, lâche tout. Ibrahim, fais les essais aussi, vas-y. Voilà, c'est bon, parfait. Pas. Bien, alors, Nicolas, est-ce que tu as la main gauche à droite? Ça, je n'ai pas compris ça. Est-ce que tu as la main droite, pas mal à droite, tu veux dire? Est-ce que ta main gauche, elle pousse à droite? Non. Ben, si. Ta main gauche. Est-ce qu'elle pousse à droite? Non, c'est là ta main gauche. Ah, oui, c'est là. Ah, d'accord. Est-ce que le pouce est à droite? Oui. Non, mais quand ta main est comme ça, il est à droite, tu vois. Ouais. D'accord. Ok, super. Avec ta main gauche, tu le prends d'accord, qui est là? Ta main gauche. Est-ce que tu es sûr? Oui, Ibrahim, ta main droite, elle est où? Du bras, c'est bien. Tu prends l'autre corps, s'il te plaît. Voilà, alors vous vous écartez tous les deux. Et oui, ça fait monter le sac à l'auteur de mon bidou, comme ça, voilà. Hop. Voilà. Non, alors, on ne fait pas un tir à la corde, pour pas que ce soit pénible. Vous voyez pourquoi il fallait pas que ce soit une dame, tu vois, pure, tu comprends maintenant pourquoi on fait une dame. Parce que c'est dur, le numéro. Ardur, on va réfléchir. Alors, non, il faut que ce soit à l'auteur de mon bidou, comme ça, voilà. Ne bougez plus, comme ça. Tenez la hauteur. Alors, on ne fait pas du tir à la corde, pour pas que ce soit épuisant pour vous, mais vous ne lâchez pas la pression. D'accord? Le numéro du réducteur 42, je sais assez vite passé. Ah, non, voilà. Voilà. Tu bouges plus. Bien, alors, ce qu'il faut faire très attention, Nicolas, parce qu'on ne dit jamais assez. Quelques fois on glisse, on peut te faire vérifier. Vérifier avant que je commence. Tire dessus. Madame de Thierry, peut-être. Et lâchez pas, monsieur. Lève un peu le bras, je sais que c'est dur pour beaucoup de dames. Alors, Ibrahim, entre nous, je te le dis, parce que t'as un petit peu. Ça y est, je l'ai eu. Alors, on dira quand même ce qu'on veut. Il faut savoir une chose, c'est que les artistes, on a un gros problème en ce moment, c'est les... Enfin, je peux vous en parler, hein, parce qu'on est quand même là pour ça, c'est qu'on en a marre de payer des droits d'auteur. Alors on a trouvé une solution, c'est simple, hein, mais vraiment, c'est vraiment efficace. Bah, avant que je commence, tu vérifies que je sois bien attaché. Hein. Voilà, super. Lève un petit peu... Ibrahim,
Tu m'as l'air un petit peu pâle, là. Une petite galette, ça va te faire du bien, hein. Parce que je vais essayer de faire. Ah oui, alors là, c'est... Oh là là. Donc là, une petite bière pour toi. Comme si j'étais pas assez... Là, je vais essayer. Bon, le but du jeu, c'est pour moi de me détacher. Donc, je vais essayer de me détacher. Attention. C'est le plus dur de faire. C'est le plus dur du tout. C'est trop. Je vais y arriver. Là, par contre, il y a un truc au fond du sac. Attends bien. Il y a un truc que je conduis au fond du sac. Regardons. Vous pouvez là, laisser tomber le sac. Mets les gâteaux dans ta poche, tu les mangeras pendant la récré. Dans ta main gauche, tu prends ça, tu te tournes comme ça. Tu lèves la main gauche, tu tends la main gauche comme ça vers le public. La clé va sauter, elle va ouvrir le cadenas clé. Et pendant ce temps, ouf, Ibrahim, oh là là, fais pas l'imbécile. Ah, je suis désolé, Ibrahim, il fait. Alors, le problème, c'est si je le ramène chez moi comme ça dans la voiture, si les gendarmes m'arrêtent, qu'est-ce que je dis? Je t'emmène en garde à vue. Non, tu veux le libérer, s'il te plaît? Non, je vais le libérer. Avec la clé? Super. Ouais. Celui-là aussi. Oh, il est scientifique en plus. Super. Bravo Nicolas, écoute, c'est... Bravo Nicolas, bravo Ibrahim, je peux tiens laisser tout tomber là-dedans. Alors, j'ai quand même pour vous une bonne nouvelle. J'ai pour vous une super bonne nouvelle, c'est que comme vous avez vraiment bien travaillé, je tiens à le dire. Alors, je vais vous remettre ce qu'on remet normalement, qu'est l'éducation nationale, mais comme votre association donc, est maintenant donc, cotée au niveau sur le paysage international. Ibrahim, diplôme du meilleur assistant magicien du département, décerné à Ibrahim, c'est marqué dessus, qui a su aider de manière efficace et habile le magicien Lormini, malgré une violente crise d'hémorroïdes. C'est pour toi, Ibrahim. Alors pour toi, Nicolas, diplôme du meilleur assistant magicien du département, t'as un concurrent célèbre, hein. Décerné à Nicolas, qui a su aider de manière efficace et habile le magicien Lormini, qui, malgré une crise de diarrhée chronique, bravo Nicolas, c'est pour toi, souvenir. Applaudissements pour Nicolas. Ouais, je vais l'encadrer. Oui,